Allez, salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pour avoir des points de prouesse de manière infinie. Bah écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo, tout simplement parce que je vais pouvoir te conseiller une super course qui m'a été également conseillée et proposée par des abonnés dont je vais citer les noms. Premièrement, on a Rémi qui m'a proposé cette technique. On a également TheHerzoer qui m'a proposé ça. Donc bah écoutez, merci à vous en tout cas les gars, ça fait plaisir. Comme ça, voilà, si vous avez des petites courses, des petites techniques, etc., n'hésitez vraiment pas à venir me les proposer en commentaire sur YouTube, sur Discord qui est également dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. Voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas à le rejoindre, comme ça vous pourrez parler plus facilement avec moi. Et si vous avez des techniques qui sont intéressantes, je n'hésiterai pas à les proposer en vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus, évidemment, en vous remerciant. Du coup, bah écoutez, c'est parti. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pensez bien à mettre un petit pouce bleu et également à vous abonner, à mettre la petite cloche. Ça fait super plaisir. Ça soutient beaucoup la chaîne en plus de ça. Merci à tous ceux qui le font. Et bah écoutez, c'est parti pour la course. Et si vous voulez pas passer des heures à chercher des crédits, n'hésitez pas à aller voir les meilleurs comptes modèles les moins chers et les plus rapides sur Magicactus.com. Ils sont livrés avec plus de 900 millions de crédits jusqu'à 100 millions de wheelspin, 3 voitures de chaque. Ils offrent également des services tels que des forfaits de crédit autonomes jusqu'à 100 millions à 999 millions avec des options de super wheelspin et même un nouveau forfait d'abonnement mensuel de voitures où chaque nouvelle mise à jour ajoutera du coup les nouvelles voitures sur votre compte. C'est de loin le modeur le plus réputé avec plus de 3300 avis sur sa page officielle Trustpilot et 10 000 membres sur son serveur Discord. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les voir dans la description. Attention, il y a des risques de ban. Allez, premièrement, le véhicule qui va vous falloir, ça va être la Corvette Forza Edition. On peut la retrouver dans la salle des ventes vraiment pour très peu cher. On est à peine à 200 000 crédits. Regardez-moi ça, là on est au niveau des enchères à 50 000, il reste plus que 2 minutes. On a encore du 80 000 juste en dessous et même en achat immédiat on est à 225 000 au minimum, enfin, maximum je crois. Donc voilà, vous êtes vraiment pas mal grâce à ça et ça vous permet voilà ici d'avoir des voitures plutôt intéressantes à acheter pour vraiment pas trop cher. En achat immédiat c'est 225 000 au minimum et là vous serez vraiment très très bien. Également regardez-moi ça, là il y a une énorme affaire. Là, on a déjà le véhicule qui a 225 000 et qui est déjà amélioré avec le bon réglage qu'il faut avoir pour la course. C'est celui du coup de Bravo Steel Viper qui est du coup en S1 896. Donc si jamais vous voyez des véhicules comme ça, n'hésitez pas à les acheter. Comme ça, vous avez déjà le réglage qui est préfait et préinstallé. Vous n'avez même pas à le payer par la suite. Si jamais vous voulez trouver directement le véhicule avec un réglage, vous mettez un prix un peu plus élevé, peu importe. Et catégorie de performance, vous mettez en S1 pour la Chevrolet. Et vous allez tomber du coup sur toutes les personnes qui ont réglé les voitures en S1. Donc là, on peut voir qu'on retrouve la voiture qui avait tout à l'heure en 896, pardon, avec du coup le bon réglage. Et malheureusement, ce sera le seul qui aura le bon réglage. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à checker, il y en a beaucoup. Personnellement, la mienne, je l'ai acheté déjà avec le réglage également pour 225 000. Donc voilà, superbe affaire. N'hésitez pas à récupérer ce genre de véhicules-là qui sont vraiment super intéressants. Celui-là, vraiment très très bien. Également, il va falloir se rendre au niveau des maîtrises de voiture. Ça va être très important, premièrement, de récupérer l'XP, la super wheelspin, les points Forza et surtout les 100 000 crédits. Mais ce qui va être intéressant également, c'est le multiplicateur de prouesse qui va augmenter 3 fois plus vite. Il faut absolument le prendre. Également, le multiplicateur de prouesse qui peut aller jusqu'à x7, c'est très important. Et puis voilà, augmentation permanente de 25% de l'XP en terminant les épreuves. C'est vraiment un bon bonus que je peux vous conseiller. Si vous pouvez, prenez tout, comme ça vraiment vous serez super bien grâce à ça. Et là franchement vous serez parfait pour ça. Si jamais vous voulez le réglage, et bien écoutez, il est ici. Vous cherchez au niveau du régleur, vous mettez son nom, c'est Bravo Steel Viper. Il est sorti le 11/05/2022. Et puis voilà, vous embêtez pas, sinon vous mettez le titre AFK Thune mai et puis voilà, ça ira très très bien pour ça. Ensuite, pour trouver la course, il faut du coup se rendre dans le labo d'épreuves. Moi, je vais aller dans mes épreuves, mais vous allez dans épreuves personnalisées. Vous allez rechercher un code à partager. Le code, je vais vous le montrer juste maintenant. Moi, je vais aller chercher dans mon historique. Le code, du coup, c'est celui-ci, le 458-761-310. Vous allez ensuite chercher le code et vous retrouvez du coup cette course qui est quand même assez connue en plus de ça. Quand même plus de 150 000 utilisations, 25 000 likes. Donc la course est vraiment super rentable. N'hésitez pas à bien faire cette course. Au niveau de la difficulté, je vous conseille de mettre en imbattable. Et ensuite, au niveau des aides, je vous conseille de mettre tout en avec toutes les aides. Vous mettez absolument tout, comme ça, vous ne serez vraiment pas embêté. Et puis ensuite, bah écoutez, vous pourrez simplement lancer la course. Attention, je tiens quand même à prévenir, c'est pas une course qui est 100% AFK. Il faudra quand même être un minimum sur la course, simplement parce que...
comment dire, il va falloir s'arrêter à des moments dans la course pour pouvoir stacker les points de prouesse. Ce n'est pas fait automatiquement, malheureusement. Donc là, il faut faire tout simplement un tout droit pour détruire le plus d'obstacles possible. Et une fois que vous serez arrivé à 50 000 points, du coup, qui seront en x7, si vous avez bien amélioré la voiture comme il faut, comme je vous l'ai montré juste avant, vous pourrez arrêter. Vous aurez du coup les 10 points de prouesse qui seront stackés. Vous aurez juste du coup à vous arrêter, à attendre que les points partent, et puis vous pourrez recommencer. Il y en a à peu près pour 45 minutes de course pour avoir plus de 300 points de prouesse. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire deux rangées par deux rangées. Là, on peut voir qu'il y a un trou où il y a vraiment plus d'obstacles. Bah, je vous conseille de vous mettre là, d'attendre un petit peu que tous les points de prouesse se stackent, et puis une fois que c'est fait, bah, vous pourrez directement repartir pour la suite de la course. Allez hop, c'est bon, allez-moi ça, on peut voir que je vais du coup prendre 10 points de prouesse. Ça fait extrêmement plaisir, franchement c'est un régal et ça fonctionne super bien. Et bien écoutez, je vais recommencer un petit coup pour vous montrer tout ça. Ouais, donc c'est bien ça, effectivement, si j'ai fait une seule rangée, j'arrivais du coup à seulement 5 points de prouesse, donc il faut bien faire deux rangées à la fois complètes. Vous vous arrêtez, deux rangées, vous vous arrêtez, voilà, ça vous fera du coup à chaque fois 10 points de prouesse. De ce qu'on m'a dit, voilà, c'est 45 minutes à peu près pour tout faire. Et vous avez plus de 300 points de prouesse, ce qui est vraiment hyper rentable, hein, vraiment. Et encore une fois, je précise que la course n'est pas 100% AFK, donc c'est possible que vous tombiez à certains moments. Elle est prévue normalement pour être un minimum à côté. Enfin, il faut être à côté en tout cas pour que ça fonctionne parfaitement, pour gérer, voilà, si la voiture fait un peu n'importe quoi sur un virage comme on va avoir bientôt. Je vais vous montrer ça rapidement. Ça m'est arrivé parfois de tomber, il me semble que j'avais la Sesto quand j'avais essayé. Peut-être que la Corvette est un peu mieux pour ça, on va voir ça maintenant. Écoutez, ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec la Corvette, attention quand même à pas trop accélérer. Mais globalement, franchement, ça gère bien, si vous faites attention un petit peu avec tout ça, c'est juste parfait. Hop, la petite maîtrise qui est validée également, n'hésitez pas à le faire. Si vous perdez une chaîne de prouesse de plus de 100 000 points, de 1 million de points, pardon, bah écoutez, vous avez une petite distinction, donc voilà, pourquoi pas essayer de le faire, c'est plutôt cool. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la technique dans laquelle je vais vous conseiller pour dépenser vos points de prouesse que vous aurez récupéré grâce à cette course. C'est une technique qui m'a été proposée sur Discord par Katoud il me semble, et même par pas mal de membres du Discord, donc voilà, ils ont déjà pu en profiter en avant-première. N'hésitez pas à le rejoindre encore une fois, c'est là où vous aurez vraiment le plein d'infos en avant-première. Donc voilà, la technique s'appelle simplement la Maserati 8CTF. Vous savez probablement qu'elle est disponible en masse dans la salle des ventes, simplement parce qu'elle est dans la sélection du festival cette semaine encore actuellement pour 40 points. C'est pour ça que beaucoup de personnes du coup l'ont, et son prix est vraiment très très bas au niveau de la salle des ventes. Quand on va rechercher vite fait, on va pouvoir la trouver vraiment pour très peu cher. On peut en trouver beaucoup pour à peine 1 million. Donc c'est vraiment une aubaine. Il y en a vraiment des centaines et des centaines en vente. C'est juste un truc de fou. N'hésitez vraiment pas à prendre celles qui sont le plus d'origine possible, comme d'habitude évidemment. Pourquoi il y en a qui me disent qu'il faut les prendre d'origine? Parce que c'est possible du coup que les prouesses soient déjà utilisées. Essayez également de regarder que ce soit pas toujours le même vendeur qui mette plusieurs voitures en vente. Sinon ça veut dire qu'il a déjà fait la technique, très probablement. Donc voilà, plus la voiture est d'origine, mieux c'est, moins elle a d'amélioration, de changement de couleur, de suspension un petit peu bizarre, etc. Vraiment, plus elle est clean, mieux ça va être pour vous. Prenez uniquement celles qui sont à 1 million, là où il n'y a personne qui va enchérir dessus, sinon ça va être un peu compliqué. Et puis comme ça, une fois que vous avez le véhicule, vous allez voir qu'il y a des trucs super intéressants à récupérer, comme 10 points de prouesse, vous avez 9000 XP, 150 000 crédits et 2 super tirages. Donc c'est vraiment super cool comme technique. En plus de ça, voilà, il y a quelques petits bonus intéressants si jamais ça vous intéresse. La voiture, en plus de ça, repart en général à 1 million. Franchement, elle se vend assez souvent. Donc vous n'allez même pas perdre de crédit, vous allez juste pouvoir en gagner. Donc voilà, super technique à venir utiliser avec les points de prouesse, que je vous ai fait gagner juste avant grâce à la course. Nouvelle technique du coup avec la Maserati, franchement c'est vraiment super intéressant, n'hésitez pas à la farmer en masse. Allez, petit bonus également, ça c'est cadeau. Voilà, si vous êtes sans savoir que cette voiture là est une vraie masterclass au niveau des courses en tout terrain, en classé en A800, et bien écoutez, maintenant je vous la prends, au moins c'est fait. Il y a quelqu'un qui me suit, je sais pas qui c'est, ça fait un peu peur. Dans tous les cas, voilà, cette voiture est une vraie masterclass au niveau des courses tout-terrain, c'est la meilleure voiture. Donc là, il y en aura beaucoup qui seront mises en vente, et donc voilà, forcément, il y en aura beaucoup qui seront également au niveau des courses. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Au niveau du réglage, c'est très important, il faut bien prendre. Au niveau des réglages, eh bien écoutez, voilà, il faut prendre du coup ceux-là. Donc vous avez les deux qui sont vraiment super intéressants. Prenez, voilà, celui qui vous intéresse le plus. Mais dans tous les cas, voilà, c'est le même régleur. Il est extrêmement connu et très, très fiable, pardon. Donc n'hésitez vraiment pas, il n'y a pas de souci avec ce régleur-là. Vraiment, ce sera dans tous les cas une très très bonne voiture.
Vous avez également d'autres réglages, par exemple en B, qui est plutôt intéressant celui-ci si jamais vous en avez besoin pour des classes en B, même si je vous la recommande pas forcément en classe B. Mais dans tous les cas, voilà, ça reste une excellente voiture et vous pouvez foncer sur ce régleur-là, vraiment, c'est parfait. Et du coup, ça va être à peu près tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ce soit la nouvelle course AFK, que ce soit également la technique de la Maserati 8CTF ou encore, bah écoutez, le petit réglage qui est en cadeau. J'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi également en commentaire. Et puis, pensez bien à mettre un petit pouce bleu également, à vous abonner, à mettre la petite cloche, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Et puis écoutez, bah moi je vais pouvoir vous laisser là-dessus. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, c'était Alex. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à la prochaine.